Comment améliorer ton timbre de voix pour mieux chanter? J'ai préparé mon piano, on va faire des exercices ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et toutes les semaines je partage sur cette chaîne des tutos, des exercices, des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Alors, améliorer son timbre de voix, à quoi ça correspond? Ça va correspondre à quand tu chantes. Tu te retrouves peut-être quand tu entends un enregistrement de ta voix à te dire que ta voix pourrait paraître un petit peu fade à l'oreille. Peut-être que tu te dis que ah, j'ai l'impression que quand je chante, c'est un petit peu monotone, ça manque de contraste et ça manque de richesse vocale. Eh bien, dans ce cas de figure, en général, c'est qu'on a besoin d'améliorer son timbre de voix. On peut se retrouver même dans des situations où quand on chante, on veut tellement essayer d'améliorer le son de sa voix qu'on va se retrouver à forcer et que ça va pouvoir paraître inconfortable. Alors nous, ici sur cette chaîne, tu sais qu'on n'est pas là pour forcer sur sa voix, on est là pour trouver des solutions et on va pouvoir pratiquer ça ensemble tout de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, certaines personnes se disent, auraient tendance à se dire, et c'est pour ça que je veux te le partager, parce que je ne veux absolument pas que tu te dises ça là dans ta tête en ce moment, il y a des personnes qui se disent, ah ouais, mais moi, j'ai pas la voix, j'ai pas la voix pour. Alors que c'est juste en fait un manque de timbre qui peut s'améliorer, d'accord? On peut améliorer son timbre vocal. Et c'est juste ça qui a travaillé. Et ce n'est pas la question de se dire, ah oui, mais moi, j'ai pas la voix pour chanter ça. Non, c'est juste qu'il faut que tu travailles ton timbre vocal, que tu configures quelque part ton corps pour améliorer ce timbre vocal. Et là, tu vas pouvoir du coup mieux chanter. Alors, ce que tu as besoin en fait à ce stade, c'est d'une part de comprendre comment fonctionne ta voix, et je vais te donner des explications tout de suite avec un petit schéma, et de faire des routines d'exercice. C'est ce que j'enseigne moi dans la Vocal Coach Factory. On fait le lien entre le corps du chanteur et les exercices qui vont aider son corps à se mettre en mouvement pour produire le résultat escompté. Donc, c'est ce que je te propose de faire tout de suite. Il faut que tu comprennes que la qualité du timbre de ta voix n'est pas liée fondamentalement aux cordes vocales, mais à ce qui va se passer au-dessus, à ce qui va se passer au niveau du conduit vocal. Tu vas trouver une petite photo là à côté de moi sur laquelle tu vas pouvoir suivre avec moi le chemin du son. Une fois que ton son a été généré au niveau de tes cordes vocales, il va devoir franchir l'épiglotte qui est notamment en jeu dans le twang, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Puis le son va continuer à progresser dans le pharynx et on va se retrouver à un aiguillage où là, le son va avoir le choix de passer soit par le nez, soit par la bouche, dans lequel il pourra continuer à être enrichi par la position de la langue, l'ouverture de la bouche et les lèvres. Et c'est ce que je te propose de travailler aujourd'hui. On va s'appuyer sur les lèvres qui sont un élément de configuration de ton conduit vocal et qui vont pouvoir t'aider à améliorer du coup ton timbre quand tu chantes. Alors, pour que tu comprennes bien ce qui se passe, imagine que tu sois le corps d'une guitare. Tu es d'accord avec moi que si d'une guitare à l'autre, si je change un petit peu la forme de la taille de la guitare, eh bien, ça va me donner un son qui va sonner différemment, d'accord? Et donc, le timbre va changer. Et c'est exactement ce qu'on va faire, nous, mais avec nos lèvres. C'est-à-dire qu'on va se servir de nos lèvres pour changer la forme de la guitare, si je puis dire, donc la forme du résonateur, en réalité, la forme de ton conduit vocal. Et là, on va jouer dans cet exercice sur la longueur de ton conduit vocal. Et avec un exercice tout simple qu'on va pouvoir faire tout de suite. Alors, on va enchaîner tout simplement trois lettres qui sont A, la lettre A, donc ça, je pense que tu peux me faire ça, un beau A. On va ensuite se faire un O, tu sais, un O, mais un O ouvert. Donc, on va faire O. Et ensuite, on va se faire un O, un petit O, un O qui est beaucoup plus refermé. O. Et en fait, je vais lier ça. Je vais faire Faisant cela, tu vas te rendre compte que tes lèvres ont plutôt tendance à avancer, d'accord? Avancer vers le devant comme ça du visage. Et en faisant ça, on va allonger le conduit vocal. Et ça va nous permettre d'expérimenter des sensations de résonance à travers cet exercice. Donc, on est parti et ça va faire A, O.
continue. Je redescends. C'est pour que tu comprennes l'exercice, on ne va pas faire toute la gamme. Regarde bien le mouvement de mes lèvres. Elle se rallonge. Encore un petit. Et ici. Alors ça, c'est un premier exercice qu'on peut faire. Mais on peut s'amuser à faire plein de petites variantes. Je vais t'en proposer une ici. Et là, on va faire. Je vais repartir ici, on y va. Et amuse-toi à bien voir les trois positions. A, O, 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 A. D'accord? On va ici. Et amuse-toi avec le son à sentir comment il se répartit dans ton conduit vocal, où est-ce que tu as les sensations. On va redescendre. Petit dernier. Ok, alors là, je n'ai pas fait toute la gamme. Hein. Libre à toi, bien sûr, de le faire sur plus de notes. Là, je t'ai donné deux exercices qui vont être très intéressants à faire en guise d'échauffement, en guise de réveil de tes résonateurs et pour améliorer, enrichir ton timbre vocal. Je t'invite vraiment à les faire sérieusement. Et puis ensuite, une fois que tu as terminé, eh bien, chante et vois comment ça améliore ta voix, comment les sensations vont être un petit peu différentes et comment tu vas avoir peut-être plus de prise de conscience de ce qui se joue en toi quand tu es en train de chanter. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis. Je t'ai préparé un petit cadeau pour ne pas te laisser repartir les mains vides. Tu as compris que faire des exercices comme on vient de le faire, c'est fondamental pour que ton corps comprenne ce qui se passe. Mais tu as aussi besoin de connaissances, de savoir comment globalement ton appareil vocal fonctionne. C'est la raison pour laquelle je t'ai préparé un pack de cadeaux dans lequel tu vas pouvoir récupérer des routines de travail pour ta voix, mais aussi une conférence sur la voix pour que tu comprennes mieux comment fonctionne ta voix et puis aussi un livret sur la respiration qui est une chose fondamentale pour le chanteur. Alors, tu peux récupérer tout cela complètement gratuitement. Il te suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description sous cette vidéo ou dans l'écran de fin qui s'affichera à la fin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !